aussi. Merci beaucoup. Merci Alain Folman. Nous allons remercier les partenaires qui nous aident à réaliser cette émission et dans le même temps accueillir notre prochain invité, Frédéric Lumeto Ipolo, qui s'installe. Tout à fait. Nous remercions JNC Création pour faire vivre la passion du bijou. La station Café Restaurant, l'Hippocampe Loge 7, c'est au Mire. JF9, Mouché Boucané, Papa Bosson Loge 12 au Mire. La boulangerie Albert Tostin Restaurant, on mange très très bien le dimanche, du moins en semaine, le midi. J'en donne une mini-idée de création toute l'année. Le Central Hôtel Multiservice MCP Construction et la Brioche. Et par contre, Fly, je viens de recevoir une information terrible. Hein. Ouais. L'arbitre français Johan Hamel est décédé brutalement cette nuit à l'âge de 42 ans. Le football français est en deuil. Ah oui. Je profite pour remercier Georges Jean-Marie de la team à peine touchée. Qui nous livre l'information. L'information. Oui, nous avons appris également que Nkunku, malheureusement ne participera pas à la Coupe du Monde. Oui, avec l'équipe de France. Voilà, quand on sait dans quelles conditions c'est arrivé, on se dit que chance voit, pas chance qu'on a. C'est important. C'est à l'entraînement. Voilà. Rien n'est écrit d'avance. Tout à fait. Merci beaucoup Alain Folman, on se retrouve ici à ce même micro demain. Même heure, même antenne, même énergie. Même énergie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Madame Frédéric Lumeto Ipolo est notre invitée et je dissimule à peine ma joie de la recevoir une nouvelle fois. Ici, ce ne sont pas des paroles, des promesses en l'air. Bon, vous êtes venu la première fois, nous avons compris l'action que vous menez dans un cadre bien précis. Et aujourd'hui, nous rendons compte de l'importance de mettre les projecteurs sur les actions positives, les actions ailleurs, il dirait de désencaillage. Mais quand on veut faire avancer la cause, il faut trouver des projets qui nous offrent des perspectives. Et en ce moment, bien, il y a un beau projet autour de l'aventure des vivants qui parle d'agroécologie. Et une délégation de Cubains séjourne ici en Guyane depuis le 14 novembre, donc depuis lundi. Ils arrivent ce soir. Voilà, il y a un problème technique. Un petit problème technique, mais ils seront là ce soir. Là, c'est bon, ils sont dans l'avion. Voilà. Et donc ils resteront un jour de plus En fait, on essaye justement de faire en sorte que... On va voir. Les billets sont échangeables au prix où ça coûte en ce moment. On va voir effectivement avec la collectivité territoriale et les partenaires comment on gère ça. Mais déjà sur place, Sinamari, etc., les agriculteurs sont mobilisés, donc ça va être un bon moment. Bon, donc ils sont attendus déjà de pied ferme, et c'est un projet concret. Alors, on va ensemble expliquer les raisons les voies et moyens pour la mise en œuvre de ce beau projet. Ce sont des spécialistes, parmi eux, des éminents docteurs, des personnes qui maîtrisent parfaitement les sujets qui vont être abordés. Et c'est dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques agricoles autour du thème de l'agroécologie. Le décor est planté, qui est concerné et comment ça va se dérouler? Alors, le projet réseau REACT, je vais résumer ça comme ça, est un projet du ministère de l'Agriculture à travers le réseau Caraïbes, effectivement. L'enseignement agricole a une particularité, la mission de la coopération internationale fait partie des missions inscrites dans la loi. C'est assez rare pour le souligner. De fait, on a des échanges, des mobilités sortantes. Nos jeunes partent. Là, par exemple, on a des jeunes étudiants qui sont en République dominicaine, en stage depuis 4 semaines, financés justement par ce fonds européen qui est Interreg, oui, et cofinancé par la collectivité territoriale, bien sûr. Et du coup, derrière, il y a aussi l'échange mobilité entrante. Cette fois-ci, on reçoit des partenaires, chercheurs et autres qui vont venir travailler avec nous sur nos exploitations agricoles en Guyane, avec nos agriculteurs. Donc, il y a deux volets. C'est pour ça, d'ailleurs, sur le panneau, il y a une agricultrice, des étudiants. On a un peu tous les publics. L'idée étant de dire, OK, c'est vrai qu'on peut aller apprendre, mais on peut aussi faire venir le savoir jusqu'à nous. Surtout partager aussi ce que nous savons. On sait que les Amérindiens ont des pratiques agricoles qui sont très spécifiques. Nous avons nous-mêmes des pratiques agricoles et eux, les Cubains, ont développé d'autres pratiques agricoles. L'idée, c'est de dire, OK, on se met tous ensemble et on essaie de voir qu'est-ce qu'on apporte les uns aux autres. Alors, bien sûr, les centres de formation sont associés à cette opération. Et concrètement, sur le terrain, il y aura à la fois des conférences, des ateliers, des observations surtout de pratique. Surtout des ateliers, parce que les conférences ne sont pas très pratiques. Là, on est vraiment dans du pratique. On a voulu être pratique. Conférence, on est dans un bureau, on est assis, ce n'est pas possible. Là, les agriculteurs de la CUM, de Sinamari, et j'en profite pour remercier la collectivité de Sinamari qui nous accueille, ils vont nous recevoir et on va aller sur les exploitations agricoles des exploitants de la CUM. Et on va se poser, on va regarder la parcelle. Ça va être concret. On va regarder la parcelle. On va vérifier avec justement ces scientifiques-là le type de
sol, qu'est-ce qui est possible, quels conseils, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on va aider. Les agriculteurs eux-mêmes ont des demandes bien techniques et bien précises. Derrière, les chercheurs cubains aussi ont reçu une certaine formation. Ils ont des connaissances qu'eux, ils ont sur le pays, mais ils vont venir aussi découvrir ce que, par exemple, les agriculteurs de la Cuba font déjà. Parce qu'il y a déjà des choses qui se font. Donc, du coup, on est plus sur le terrain. Là, vraiment, on va être concrètement sur le terrain. On va être en salle peut-être 2-3 fois, mais encore, ça va être vraiment du rapide. Ça va être juste pour remettre les choses au point, mais on va être sur le terrain tout le temps. Alors, il y a des objectifs que vous avez clairement définis. Donc, on va les rappeler, ces objectifs-là, si vous voulez bien. Donc, et ensuite, essayer de voir comment vous allez les évaluer, histoire de savoir, une fois l'opération terminée, est-ce qu'on prend en compte, justement, le gap qu'il y a entre les espoirs, les attentes et les réalités. Voilà, et les réalités. D'accord. Donc, l'objectif numéro un, c'est quoi pour vous? Alors, l'objectif numéro un, dans la généralité, c'était vraiment proposer aux personnes, aux agriculteurs, une formation concrète, par exemple, sur comment j'arrive à utiliser l'agroécologie pour rentabiliser. On ne va pas se mentir. Quand on dit à un agriculteur, l'agriculteur me dit « Madame, moi j'utilise un pesticide, j'élimine toutes les mauvaises herbes. Vous, vous me dites de retirer l'herbe à la main. Un, j'ai un employé à payer en plus, charge salariale étant ce qu'elles sont. Deux, je perds du temps. » Parce que du coup, ma parcelle, il faut que je le fasse peut-être au lieu d'une journée avec un pesticide, je le fais sur 3 jours. Dites-moi pourquoi. Bah, je vais répondre moi. Je dis, bah, on va essayer déjà d'utiliser des plantes qui vont aider à couvrir votre sol de façon à ce qu'il n'y ait pas d'autres plantes invasives. Première chose, ça, les agriculteurs de Guyane le savent déjà. Ouais. Les Cubains vont peut-être nous apporter d'autres plantes, hein, mais bon, c'est des choses qu'on sait. Ensuite, bah, la demande des consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui sont très regardants à ce qu'ils font, ils mangent. Un aliment où on arrive à prouver qu'on a respecté certains critères, qu'on a fait attention qu'il n'y ait pas des pesticides parce que c'est tendance cancer, etc., le consommateur va se dire, OK, allez, je rajoute 5 euros de plus parce que je garantis que ça, c'est bon. Là, en ce moment, on a là les journées de la viande locale. On sait que nos viandes, elles sont très bonnes. Oui. Mais elles coûtent forcément beaucoup plus cher. Mais à un moment, quand on regarde la vie que les agriculteurs ont, on se dit, allez, on fait un effort parce que l'agriculteur, lui, a fait un effort. Mmh. À nous aussi, consommateurs, de faire un effort. D'autant qu'il y a cet aspect qui est non négligeable. Lorsqu'on achète moins cher un produit qui n'est pas issu du territoire, qu'on achète en gros, qu'on importe, eh bien, on pénalise l'agriculteur qui, lui, fait un effort d'embaucher, de développer l'économie, de donner de l'emploi sur le territoire. Tout à fait. C'est tout ça qu'on achète, finalement. C'est tout ça qu'on achète. Ouais. On achète le fait qu'un jeune a été employé par un agriculteur. On achète aussi la paix d'esprit de l'agriculteur. Vous avez dû entendre ce qui s'est passé. Oui, un grand malheur est arrivé dans le monde agricole en Guyane. Mais tout ça, ça découle aussi des difficultés qu'un agriculteur va ressentir. Ah, je n'arrive pas à boucler mes fins du mois. Je ne sais pas comment je vais faire. Pourtant, cet agriculteur a fait des efforts. Oui, souvent, j'ai des dettes. Il a des dettes. Oui. Donc, comment aider un agriculteur? Comment on arrive à concilier une production assez importante, de façon à assurer les revenus des agriculteurs, mais en même temps en respectant l'environnement. Donc on a toute cette problématique-là qu'on va essayer de traiter autour des pratiques agroécologiques. Donc aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, c'est du 100% bio, on parle de 100% non, bio, justement c'est ça, du raisonné. C'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, j'ai un animal que je vais essayer de soigner avec des plantes. Il y a des pathologies, de toute façon, ouais, on n'a pas le choix. Parce que même en bio, on a le droit d'utiliser un certain nombre de médicaments, de produits, mais ils ne vont pas avoir la même invasivité ou les mêmes impacts, en fait. Mais ils coûtent cher, ils restent chers. Donc aujourd'hui, c'est vraiment à une agriculture raisonnée, comment, avec déjà ce qu'on a, c'est-à-dire que les plantes qu'on a, comment je peux déparasiter un animal avec des plantes? C'est possible. C'est des choses qui sont possibles. Quelqu'un comme Yuvan, ce spécialiste, il est zootechnicien, Yuvan arrive à aider à montrer que certaines plantes, et nous avons une pharmacopée extraordinaire. Pourquoi ne pas utiliser justement les plantes de l'Amazonie que nous avons pour soigner, pour aider, pour limiter finalement l'utilisation des médicaments chimiques, ce qui va aider les animaux pour leur bien-être, mais aussi les agriculteurs pour leur poche. Bien. Alors, tout au long de ce séjour, on a vu que des spécialistes vont intervenir pour partager et expérimenter
peut-être aussi nous faire des retours sur des expériences menées déjà absolument, à Cuba. Absolument. Et bien évidemment, c'est un travail qui va se faire sur un temps court. Trois semaines. Voilà. Et est-ce que vous avez prévu, par la suite, un suivi? C'est-à-dire que quand il n'y a rien qui remplace le contact les hommes. Mm-hmm. Déjà, se trouver sur le terrain, c'est une chose. Mais ensuite, lorsqu'on a besoin, par exemple, d'un conseil avisé, par exemple, est-ce qu'on crée des autoroutes, parce qu'aujourd'hui, c'est possible numériquement? Est-ce que vous avez créé des conditions pour déjà ça? Déjà, ce projet est une suite, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en février, on était allé avec un agriculteur de Sinamari déjà à Cuba. D'accord. Et donc, il avait déjà rencontré. Et en fait, on travaille. Il faut savoir que l'enseignement agricole, la DAF, etc., on a des techniciens qui encadrent. Donc, là, durant justement cette formation, on a quelques techniciens qui nous ont déjà appelés pour nous dire, moi, j'aimerais bien venir participer. Là, on a fait une mobilité sortante en février 2022. On est parti à Cuba, on a vu. Cette fois-ci, c'est les Cubains qui viennent. Donc, du coup, il y a déjà des échanges. Il y a des formations virtuelles, bien sûr. Il y a énormément de liens. Et là, ils vont garder le contact parce que c'est des choses. Ils vont garder le contact, ils vont s'appeler. Moi, par exemple, en tant qu'enseignant, j'utilise des recherches de ces chercheurs-là. Je les utilise en cours avec mes étudiants. Donc, non, le contact est établi. Il n'y a pas que les Cubains dans ce projet. Il y a différents autres pays, Aruba, Curaçao. On a vraiment pris les pays de la Caraïbe. Et comme j'ai dit, les jeunes sont en République dominicaine. Donc, on essaie de créer des passerelles avec ces différents interlocuteurs. Alors, se parler, jeter des bases d'échanges durables. Qu'est-ce qui se passe avec nos voisins immédiats? Parce que fort souvent, nous sommes plutôt sur le constat, qui est parfois un constat qui pénalise les agriculteurs d'ici. On ne va pas ignorer que parfois, certains produits non contrôlés entrent sur les territoires, transitent, arrivent par les voies des marchés informels, des activités d'économie informelle. Quelle relation d'entretien? Là, aujourd'hui, par exemple, la République dominicaine a une particularité. Eux, ils arrivent à exporter dans les pays européens. D'accord. Les étudiants sont partis voir pourquoi eux, ils y arrivent. Et pas nous. Et pourquoi, par exemple, le Brésil et le Suriname n'y arriveraient pas. Donc, l'idée, c'est d'aller étudier. Je vais voir pourquoi là-bas, ça fonctionne. Et peut-être, quand je reviens, amener. Il y a aussi un autre volet financier. Intérêt Caraïbes, je suis responsable du réseau Caraïbes de l'enseignement agricole. Du coup, forcément, j'ai tendance à émarger sur de la Caraïbe. Mais mes partenaires, mes collègues qui sont, eux, réseau Brésil, réseau Suriname, là, par exemple, il y a un appel d'offres sur un projet FSPI Pérou. C'est la collègue qui s'occupe du Pérou. Donc, du coup, on est nombreux, en fait, à, entre griffes, quadriller les pays. Et en l'occurrence, on peut aussi travailler avec la collectivité territoriale sur le PO Amazonie, qui est un Interreg, au lieu d'être un Interreg Caraïbes, qui est un Interreg Amazonie. Jusque-là, on n'était pas éligible en tant que centre de formation. Enfin, on était éligible, mais sous certaines conditions qui étaient trop contraignantes pour nous. Le prochain appel du PO Amazonie, qui va pouvoir nous faire travailler avec le Brésil et le Suriname, on est pleinement éligible. Donc du coup, faut pas oublier aussi que on est bénévoles, volontaires, on est des profs. Hein. Donc, du coup, les projets sont très lourds. Et je remercie, dans ce sens, la collectivité territoriale, en l'occurrence, le service coopération, Mme Chongming. Il y a un appui. Il y a un appui. Oui. Et si on n'a pas cet appui des collectivités, que ce soit les mairies, Sinamari, CTG, on ne va pas y arriver. Parce que ce n'est pas notre centre de métier. Il y a aussi, surtout, le CIRAD. Des centres de recherche comme le CIRAD qui, effectivement, vont travailler avec ces chercheurs les deux dernières semaines parce qu'eux aussi viennent apprendre. Du coup, première semaine, nous, on apprend avec eux et nos agriculteurs. Deuxième semaine, ils apprennent avec le CIRAD. La directrice du CIRAD, anti-Guyane d'ailleurs, sera dans nos murs en Guyane la semaine prochaine. Et du coup, on associe vraiment la particularité de ce projet, c'est de mettre les agriculteurs, les étudiants, les chercheurs, tous ensemble autour d'une table, autour d'un projet, de dire OK. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a? Pour avancer. Pour avancer, tout à fait. Eh bien, merci, bravo pour toute cette dynamique. On voit bien que le projet lui-même doit être conséquent, il doit tenir la route pour convaincre, parce que ces fonds, ce sont des fonds européens. Absolument. Mais il faut le dire, ils sont scrutés de très près, très à la virgule près, très contrôlés. À l'euro près. À l'euro près. Et que derrière, eh bien, il faut du suivi, absolument, de l'engagement.
et du sérieux. Et du sérieux. Voilà, pour parvenir à les monter ces dossiers. Donc merci. C'est moi qui vous remercie. Et nul doute qu'on vous retrouvera encore ici on à la faveur d'autres projets. D'autres puisque projets. L'objectif pour nous, c'est justement de dire. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Oui. Et puis il faut le temps de mettre la graine en terre, le temps de voir germer la plante, le temps de la floraison, le temps de la récolte. Il faut arroser aussi, le temps aussi de reconnaître l'engagement de nos élus. Oui. Et l'élu, par exemple, de tout ce qui est fonds européens, monsieur Le Chavega, qui est très engagé dans ce projet. Et je tiens vraiment à les remercier, hein, parce que clairement, sans les élus, sans les collectivités, les projets, ils ne passent pas. En tout cas, ce type de projet très lourd sur des fonds européens ne passe pas. Eh bien voilà, vous venez juste de faire la liaison entre ce que nous disions ce matin quand nous évoquions avec le CCE les problématiques du pays. Eh bien, voici déjà des profils qui nous indiquent que nous sommes en bonne voie si on est à l'écoute les uns des autres, les politiques au service des projets de nature à développer le territoire. Mm-hmm. Donc, on appelle ça de nos voeux. Bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup, et puis, pendant ces 3 semaines, eh bien, mettez une énergie positive pour la bonne cause. On enverra des photos. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci C'est ainsi invitation. Que se termine cette nouvelle édition de Yana Café Sport. Vous prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres. Et prenez soin des autres. Rendez-vous demain, ici, en direct de la Brioche. Au revoir. RDI, en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI, sur 105.1 à Cayenne. Et 88.4 à Kourou.